Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Selon les pays, certains nombres se prononcent différemment. Par exemple, ce nombre-là peut se prononcer 70 ou bien 70. De même, ce nombre-là peut se prononcer 90 ou 90. On compte de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ici, je ne sais pas ce que c'est. 70, 80, 90, 100. Quel nombre a été oublié Donc, on cherche ce nombre qui doit être ici quand on compte de 10 en 10. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de trouver ce nombre. Donc, ici, si je compte de 10 en 10, je commence par 10, ensuite j'ai 20, 30, 40, 50, et puis après, ici, c'est 60. 70, 80, 90, 100. Donc, la réponse que je dois trouver ici, c'est 60. Alors, c'est celle-là. Voilà, on va vérifier. OK. Alors, on en fait encore un. Alors ici, on nous demande quelle série de cartes comporte 20 points. Alors ici, ce qu'on appelle une carte, c'est tout simplement ce bloc, un bloc comme celui-ci, qui donc contient 10 points. Ici, si tu peux, tu peux compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Donc là, j'ai 10 points. Et ici, j'ai un autre bloc de 10 points. Donc j'ai deux blocs de 10 points, c'est-à-dire 20 points. C'est ça qu'on nous demande, hein, quelle série de cartes comporte... C'est ça qu'on nous demande, hein, quelle série de cartes comporte 20 points. Ici il y a bien 20 points, donc ça c'est la bonne réponse. Alors on peut même vérifier que ici j'ai un bloc de 10 points, deux blocs de 10 points, donc 20 points, 30 points, 40 points. Donc ça ne peut pas être celle, cette réponse-là. Et puis ici j'ai 10 points, 20 points, 30 points. Donc c'est bien la première qui est la bonne réponse. On va vérifier, voilà. Glisse les cartes dans le cadre jusqu'à obtenir 50 points. Donc là on a une carte comme tout à l'heure, et en fait c'est un jeu de cartes ici, et on doit prendre autant de cartes qu'il faut pour avoir 50 points. Alors si je prends une première carte, là j'ai pris 10 points. Donc je vais prendre une deuxième carte, j'aurai 20 points, une troisième carte, j'aurai 30 points, et puis j'en prends encore une autre, ça me va me faire 40 points en tout. 10, 20, 30, 40. Et donc il me faut encore une carte pour en avoir 50. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes, donc 10, 20, 30, 40, 50 points. Donc ça, ça doit être la bonne réponse. Voilà